Bonjour tout le monde, comme chaque mois je vous propose une compilation C'est pas passé loin. Le but est de montrer des situations dangereuses que j'ai pu voir, de les analyser afin de mieux les anticiper. Les extraits ne se suivent pas chronologiquement et sont sur une période très étalée, car ce genre de situation, heureusement, n'arrive pas tous les jours. Enfin, la date et les lieux sont informés sous chaque extrait et vous pourrez retrouver les différentes thématiques abordées en description de la vidéo. Le but de cette vidéo n'est évidemment pas de juger les différents usagers qu'on va pouvoir voir, mais bien les erreurs qu'il faut éviter de reproduire. On va commencer par la première thématique, le respect des feux rouges. Comme on peut le voir, certains sont équipés d'un petit panneau triangulaire permettant de les passer, mais dans tous les cas de figure, il faut d'abord respecter les usagers déjà engagés. Surtout que dans la grande majorité des cas, il y a juste à attendre quelques secondes et on peut de nouveau repartir. Une petite information à propos des skateboards, trottinettes sans moteur et rollers. Ils sont considérés comme des piétons et doivent rouler sur le trottoir. Et de plus, ils doivent respecter les feux tricolores et emprunter les passages protégés pour traverser et rouler à une allure modérée sur le trottoir de 6 km/h. Par contre, en cas de non-respect du feu, c'est seulement une contravention de 4 euros qu'ils risquent, comme un piéton. Pour tous les autres engins électriques bridés à 25 km/h, c'est sur la chaussée qu'ils doivent rouler ou la piste cyclable si elle est obligatoire. Et une chose à savoir à Paris, c'est que quand vous vous arrêtez un feu, comme là vous pouvez le voir, je vais attendre une dizaine de secondes seulement. Alors c'est vrai que ce feu-là pourrait être équipé d'un petit triangle permettant de continuer parce que la visibilité est très bonne. Mais bon, je joue le jeu et ça va créer un effet bénéfique derrière, c'est que l'ensemble des autres feux de la rue seront ouverts. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe car la plupart des feux sur les rues sont synchronisés pour se mettre au vert quand on roule en moyenne à 30 km/h. Et n'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire où ça marche pas, parce que c'est vrai qu'il est assez rare qu'une fois qu'on est attendu à un feu vert, les autres soient rouges derrière. Généralement, ils s'enchaînent tous au vert. En tout cas, c'est quelque chose que je remarque assez souvent, que les feux s'enchaînent, et ça me permet aussi de me dire que c'est pas grave d'attendre maintenant, parce que j'aurai attendu de manière plus tard. Et même si on a le feu vert, il faut rester attentif. Ici, je suis resté concentré sur le véhicule, qui avait d'ailleurs coupé la route au cycliste qui se retrouve face à moi. Dans ce cas-là, effectivement, avoir une vitesse très modérée lors des franchissements de carrefour. Garder une distance raisonnable avec le véhicule qui nous précède, parce que là j'ai bien été surpris par le cycliste qui déboulait un peu de nulle part. Ici le problème c'est que le cycliste n'a pas suivi la piste cyclable, il a coupé au plus court et le bus lui a caché le champ de vision, ce qui fait qu'il est arrivé face au tram. Je ne comprends pas non plus pourquoi deux fois de suite il regarde derrière lui alors que devant il y a quelque chose. D'où l'importance de suivre les itinéraires cyclables, notamment aux abords des trams, parce que les indicateurs nous permettent de savoir quand il y en a un qui arrive. Les trams étant très silencieux, on les entend arriver souvent au dernier moment. Le mieux c'est aussi de ralentir ou de ne pas s'engager quand il y a un véhicule qui nous cache la vue, car j'ai pu faire cette amère expérience en me décalant sur la gauche pour anticiper le véhicule au lieu de ralentir, ce qui m'aurait évité de me retrouver face à face avec un autre cycliste. D'ailleurs, si vous voyez d'autres usagers en contresens, le mieux c'est de toujours serrer au maximum votre droite. Et si vous roulez vite, préférez rouler en dehors des pistes cyclables si elles ne sont pas obligatoires, car là, un cycliste en contresens à cette vitesse-là, ça aurait pu être surprenant. Gardez en mémoire, par contre, que les deux roues motorisées, eux, vont essayer de rester le plus possible de leur côté de la chaussée. A chaque fois que j'en ai croisé, ils sont toujours serrés sur mon côté droit. Mais ça va pas ? Donc le mieux, c'est de ralentir et de les laisser passer pour éviter de se mettre en danger. Donc si jamais il y a des chauffeurs de scooters qui regardent cette vidéo et qui empruntent des pistes cyclables, ayez l'intelligence de circuler au moins dans le bon sens de circulation. Et quand vous vous retrouvez en face d'une voiture en contresens, eh bien, il faut juste prendre le temps. Comme on peut le voir là dans la vidéo, je ne vais rien dire. Je ne vais juste rester sur la piste cyclable et attendre que les véhicules partent. De même. Pas besoin de faire de gestes, pas besoin de klaxonner. Remarquez souvent que ça marchait beaucoup mieux si on faisait en fait rien, si on restait en face du véhicule. Car souvent, si on le signale, eh bien le chauffeur va se braquer, or que s'il se rend compte de lui-même qu'il a fait une erreur et que personne ne lui dit, eh bien ça se passe souvent beaucoup mieux. Ensuite, malheureusement, quand il y a un véhicule qui est stationné sur la piste cyclable, anticiper bien en amont, sortir de la piste, surtout quand il y a des petits murets comme ici, et y aller très progressivement pour éviter de se retrouver en face d'un véhicule ou ne pas pouvoir freiner si c'est le cas. Let's continue the middle of the road, we don't have the choice.
on n'a pas le choix, eh bien de se mettre bien au milieu de la route et de bien se faire voir des autres véhicules. Après, effectivement, un petit signe merci, même si on n'y est pour rien dans cette situation. Mais voilà, c'est ce que je conseillerais, de bien prendre sa place sur la chaussée, surtout quand on remonte dans ce type de situation. Et si vous vous serrez à droite, le véhicule va essayer de passer en même temps que vous et ça peut vous déséquilibrer, ça peut créer un danger. Et quand un véhicule ne se rend pas compte qu'il est mal stationné, eh bien lui dire... Bonjour. Attention, vous êtes en plein sur une piste ici. Là, la cycliste a failli se faire avec la visibilité et tout. Bonne journée. Pour ça, j'avais fait une vidéo qui explique un petit peu comment résoudre les conflits entre les différents usagers, ou bien plutôt comment ne pas créer de conflits. Je vous la mets en fiche. Évidemment, quand vous devez passer un stationnement et que vous avez une mauvaise visibilité, de ralentir, et quand il y a des petits rebords, faire attention parce que ça peut créer voilà, ce genre de chute. Donc évidemment que les stationnements créent des dangers, c'est pas anodin. Et quand on dépasse des véhicules, toujours laisser une distance avec les portières, car on sait jamais si quelqu'un est stationné ou non, et s'il va ouvrir sa portière comme ici, avec le taxi qui ne regarde pas avant d'ouvrir. Quand vous voyez un véhicule au loin, stationné, anticipez-le bien en amont, placez-vous sur l'autre fil, et passer au large, parce qu'on peut voir qu'à chaque fois, eh bien, il y a la portière qui s'ouvre malheureusement au moment où j'arrive. Et ça va arriver dans nombreux cas de figure. Et pensez à dépasser par la gauche, sauf évidemment comme ici quand vous avez une bande cyclable. Mais le problème d'être entre deux véhicules, c'est qu'il faut rouler à une vitesse très faible pour pouvoir éviter ce type de problème d'ouverture de portière. Vous êtes sur une piste cyclable. Allez vous stationner ailleurs. Non, il n'y a pas de aller, vous allez vous stationner ailleurs. Vous venez de me mettre en danger. Je dois avouer qu'il y a des moments où il est dur de garder son sang-froid, mais vous voyez ici que ça illustre bien le cas de figure de passer à côté d'un véhicule. Il faut toujours faire attention à l'ouverture de portière et garder une distance suffisante avec le véhicule. Je parlerai en détail de tous ces éléments dans la vidéo que je suis en train de préparer sur le code du cycliste. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et je parlerai également de la communication non-verbale, les signes à faire. D'ailleurs, on va finir là-dessus avec les piétons. Chaque fois que l'on ralentit ou on s'arrête pour quelque chose, il faut l'indiquer. Parce qu'en vélo, on n'a pas de feu d'arrêt qui prévient les usagers qui sont derrière nous. Avec l'expérience, j'ai également remarqué que indiquer que j'allais m'arrêter pouvait éviter pas mal de situations dangereuses. C'est quelque chose à garder en tête parce qu'en vélo, on a toujours une meilleure visibilité qu'en voiture, on est un petit peu plus haut et donc on peut prévenir les usagers derrière nous qu'on a vu quelque chose. Il y a également le fait que généralement, ils sont concentrés sur le cycliste qu'ils sont en train de dépasser et ils ne peuvent pas forcément contrôler tout ce qui arrive. La communication est l'un des éléments les plus importants sur la route pour pouvoir circuler tous ensemble en sécurité et en bonne intelligence. C'est donc sur cette note positive que je terminerai cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce type de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça trop court, trop long, si c'était un petit peu trop condensé ou si vous souhaitez juste analyser certains extraits en particulier. J'avoue que j'ai encore pas mal d'extraits et je préfère les mettre dans ce type de compile. Donc n'hésitez surtout pas à faire vos retours, ça me permettra de savoir ce que vous appréciez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route. Allez-y.